Bienvenue à tous dans Planète Afro, l'émission dédiée à l'actualité africaine et caribéenne sur France 24. À la une dans ce nouveau numéro de Planète Afro, deux créateurs expérimentés, exilés, qui vont nous présenter leurs deux premières œuvres. Iboze est un chanteur sénégalais vivant à Paris depuis quelques années, connu pour ses titres entraînants. Il sort son premier album court, un EP qui s'appelle Jab jusqu'au bout. Et Philomé Robert est un écrivain journaliste venant d'Haïti et que vous connaissez forcément car il est présentateur sur notre chaîne où il officie à la matinale depuis 2008. Il publie son premier roman « Vagabondage éphémère » aux éditions Caraïbes Éditions. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, bonjour Fatimata. Bonjour Philomé. On va voir que tout au long de l'émission, vous avez plusieurs points communs. D'abord, vous refusez tous les deux d'être enfermés dans un genre unique et dans une case. On commence par vous, Iboze. On va d'abord écouter ce que vous faites déjà pour savoir ce que c'est. Deux premiers clips et on en parle juste après. Yes. Alors Iboze, on commence par vous. Vous refusez de dire quel genre musical est-ce que vous faites, mais alors parlez-nous de votre univers musical, ce qui vous anime musicalement. Bonjour à tout le monde déjà, merci pour l'invitation. Très heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et pour parler de genre musical, il n'y a pas de genre musical que... On ne peut pas définir quelque chose du moment où... quand dès lors on entend de la musique, on a pas mal d'idées et de vibe, que ce soit du reggae, que ce soit de l'afrobeat, que ce soit de la dancehall. Si à chaque fois qu'on écoute ces styles de musique-là et qu'on a des ressentis différents, on ne peut pas se permettre de se dire « je vais me ranger dans telle case uniquement ». Personnellement, je trouve que c'est du gâchis. C'est comme on a quelqu'un qui a un talent d'écrivain, un talent de peintre, un talent de ci, et qu'on veut lui dire « non, toi, il faut que tu écris des livres tout simplement et tu t'en arrêtes là ». Donc au jour d'aujourd'hui, ma musique, c'est de la world music, tout simplement, pour définir à peu près ce que je fais. Et vous vous interdisez rien, en fait, et non. On l'entend musicalement, c'est très éclectique. Alors, Philomé Robert, vous, dans cet ouvrage très bien écrit, le narrateur qui s'appelle Gabriel est un architecte haïtien exilé à Paris, marié à une femme, il tombe fou amoureux d'une autre. Alors, ce n'est pas simplement une histoire d'infidélité, mais une histoire de polyamour, une amour de passion, une histoire de femme, car les femmes tiennent une grande place dans ce roman. Comment est-il né? Vous disiez que vous le portiez depuis longtemps, ce roman. Merci déjà, Fatimata, pour l'invitation. Je dois avouer que c'est assez étrange d'être à cette place-là, parce que d'habitude, je suis absolument ailleurs. Et comment est né ce livre? Il est né d'un besoin de raconter des choses que je portais, des choses dont je suis témoin, des choses que j'ai vécues, des choses aussi que j'ai vues passer. Comme dirait un audienceur haïtien, c'est un mot qu'on a inventé, qui s'appelle Maurice Sixtos, il fait à la fois conteur, baroudeur, etc. Et ce sont des choses vues et entendues que j'ai souhaité raconter. Maintenant, il fallait une trame, vous l'avez raconté tout à l'heure, et sauf que c'est aussi une autre histoire, c'est une histoire d'exil, de rencontre, de violence, de voyage, de polyamour, mais pas au sens premier du terme, hein, parce que ce n'est pas les premières choses auxquelles on pense. Donc ce livre-là est venu de ce besoin de raconter. À un moment donné, il fallait que ça sorte. Et comme c'est un... Je n'avais pas dans l'idée d'écrire un roman, parce que je ne me sentais pas légitime d'écrire. Je précise, vous avez déjà écrit une œuvre. J'ai déjà écrit autre chose, c'est des récits, c'est aussi des essais, des livres collectifs, et dans lesquels Haïti occupe une bonne place, mais examiné de manière quasi scientifique, sous le prisme en tout cas du journalisme. Mais c'est la première fois effectivement que je m'essaye à la fiction, je ne me sentais pas légitime pour le faire. Et puis après, l'appétit venant en mangeant, comme on dit, les choses se sont mises en place, et puis c'est sorti
un peu comme un cri avec des chants multiples et ça a donné Vagabondage éphémère. Alors c'est absolument magnifique, on l'entendra parce qu'il y a une langue aussi dans ce livre, une langue magnifique, des mots ciselés, bien choisis et on vous entendra. On va d'abord entendre un peu de musique, donc du nouvel album, Ibose. Ce nouvel album qui s'appelle Jab, j'aimerais qu'on écoute le premier clip qui est disponible, c'est Tout plié. Alors, tout plié, c'est tout déchiré, c'est ça ? C'est ça, tout si je veux être jeune. Message de victoire. De victoire. Tout plié, tout défoncé. Voilà, absolument. Alors, on écoute. On écoute Tout plié. Quoi qu'il est temps de leur montrer, si on est vraiment, on a surmonté beaucoup de vêtements dont tu n'as même pas idée. Dont tu n'as même pas idée. Alors, Ibose, le message, donc tout plié, tout déchiré de cet album, de ce EP, mais cet album, globalement, c'était quoi le message que vous vouliez donner ? Le message, c'est jusqu'au bout, J-A-B, c'est-à-dire ne jamais laisser tomber, ne jamais abandonner, malgré les complications qu'il peut y avoir, les barrières, les choses que l'on ne peut pas calculer. Moi, je dis toujours, voilà, il faut aller jusqu'au bout. De ses idées, de ses rêves, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, en fin de compte. Et que, généralement, on va toujours... J'ai eu du mal à le sortir, hein, cet album-là, oui. Entre parenthèses. Il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes. Si j'avais dit... il y a trop de problèmes, vas-y, laisse tomber, je ne serais pas là au jour d'aujourd'hui. Oui. Les retours sont pas mal du tout. C'est un très 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 bon début, mais au jour d'aujourd'hui, ce que je veux, le message que porte cet album-là, c'est d'aller toujours jusqu'au bout. Donc persévérer dans son travail, c'est un très beau message. Alors Philomé, j'avais promis un extrait, et alors quoi de mieux que de l'entendre de sa bouche à lui-même, qui va nous lire un extrait de Vagabondage éphémère. On vous écoute. Gabriel, apprenti exilé, il est devant une ambassade, celle du Brésil en l'occurrence, et il regarde sa ville de Port-au-Prince en dessous, Cité de Dieu exactement. Il dit « À Cité de Dieu, une adolescente s'offrait pour quelques sous à quelques sans-aveux en quête de plaisir charnel. Un collégien cachait dans son pantalon une petite fiole de tafia. Il commencerait à la boire avant même d'atteindre sa salle de cours, car il avait sombré avant l'heure dans les vapeurs de l'alcool, pour oublier et s'oublier. Sous ce toit gris menaçant, un étudiant se cherchait une lampe à pétrole pour réviser des modules polycopiés distribués par des professeurs absents les trois quarts du temps. » Absolument, on sent cette langue-là et malgré tout, vous n'êtes pas tendre avec Haïti. Est-ce que néanmoins, vous avez des motifs justement d'espoir ? Déjà, le fait de ne pas être tendre avec le pays, me semble-t-il, c'est un devoir d'exigence parce qu'on ne peut pas, devant ce qu'il se passe dans ce pays dont vous connaissez la convulsion, l'histoire, rester indifférent. Et moi, ce que j'ai souhaité faire, en fait, au-delà de la présentation globale du livre, c'est donner la parole à un personnage qui est représentatif, me semble-t-il, de tous ces jeunes, de ces centaines de milliers de jeunes qui ont quitté Haïti, exilés par la force des choses, vers le Brésil, l'Argentine, le Chili. Et il m'a semblé que c'était absolument indispensable de, via la fiction, parce que je suis journaliste, il y a des choses que je ne peux pas dire dans un lancement de sujet, par exemple, faire sortir, faire jaillir quelque chose qui participe de quoi ? D'un appel au secours, finalement, et dire que ça ne peut pas continuer en l'état. Évidemment, et c'est un personnage romanesque, enfin, c'est ce que j'ai voulu. Et ce n'est pas vous dans le roman, donc, pour le évidemment préciser. Non, évidemment, absolument pas, oui. Et bien entendu, même si, encore une fois, en tant qu'auteur, qu'est-ce que je fais ? J'utilise ce que j'ai à portée de main comme matériau pour pouvoir travailler. Absolument. Un autre point commun qui vous lie, évidemment, c'est l'Afrique, le Sénégal. Lui, il a été... Il en parle d'ailleurs. Gabriel va au Sénégal. Il a adoré le Sénégal. Il me l'a dit ça assez souvent. C'est vrai, mais oui. Alors, Ibose, vous, c'est important pour vous. Donc, vous habitez en Normandie, donc en France. Mais le Sénégal reste dans votre cœur, dans votre travail. Vous chantez toujours en Wolof, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est très, très important, comme j'avais dit récemment, de ne pas oublier d'où on vient.
Et c'est ce qui constitue et ce qui fait aujourd'hui qui on est, tout simplement. Ça ne nous empêche pas d'être ouverts au monde entier, mais d'être toujours ancrés dans de là d'où on vient, c'est-à-dire la culture, la langue, comportement, enfin plein de choses, quoi. Absolument. Bah, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. Merci à vous deux d'être venus. Merci à vous de nous avoir écoutés. On a un dernier clip que j'aimerais vous mettre dans les oreilles. C'est notre coup de cœur, un inédit du musicien Ali Farka Touré, la légende malienne qui est décédée il y a 16 ans. Mm-hmm. Son fils, vieux Farka Touré, publie un album inédit qui est attendu pour le 10 mars. Il sera rejoint dans cet album par Oumou Sangaré sur Poitrip, entre autres. On écoute Safari et on se quitte là-dessus. Wallahi dama fende pale kala dama fende ndei koyo bumalete pale kala dama fende ndei bisa kur mama nyunya da ndei furene fondo da pale kala furene fondo da Safari goye kamba, safari goye kamba de mine noru safari goye kamba.